Bonjour la Terre, on se retrouve pour une vidéo, mais pas en ASMR. Et oui, parce que j'ai plutôt une chaîne d'ASMR normalement. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet assez sérieux, d'une personnalité sur TikTok. Ouais, si tout le monde s'entraidait, ça irait beaucoup mieux. De jalouser les autres, là. Ah, mais pourquoi vous l'aidez à lui? Moi, je galère. Moi, de me lever tous les matins pour faire mes sous, je travaille comme un... Ouais, c'est ton choix de vie, c'est très bien. Fallait pas tout claquer. Eh ben, j'ai tout claqué, Charlie, ça te pose un problème? C'est la même. C'est énorme, tu demandes de l'aide, mais tu parles tellement mal. Ouais, je parle mal. Et alors? Je t'en... Pour le mariage, tu vas aussi faire une cagnotte, pourquoi pas? T'es culotté quand même, lol, mais des fois ça marche. Ben, bien sûr ça marche, tu crois quoi? Lolo, hier j'ai touché 1000 euros, ouais. Mais en comptant la cagnotte et les lives. Donc si on fait 16 journées comme on a fait hier, le terrain c'est bon. Pourtant 1 euro c'est rien pour les gens. Mais pour personne, même quelqu'un à la rue il peut donner 1 euro quoi. Non, moi je suis honnête, hein. J'ai dit que les sous je les avais claqués, j'étais parti en vacances, on s'est éclaté, j'ai fait le c***. Je suis honnête, j'aurais pu dire à ma grand-mère elle est décédée. C'est fou comme aujourd'hui, on est assez décomplexé quant à notre présence sur les réseaux sociaux. On ne fait plus très bien la différence entre ce qui est de l'ordre du domaine privé et ce qui est de l'ordre du domaine public, entre ce qui relève de la simple mise en scène et ce qui est de la manipulation. On ne sait même plus si, au final, l'image que l'on voit de quelqu'un n'en est simplement qu'un reflet, qu'un aspect, ou si c'est une simple construction. Non, on ne va pas parler de libellule aujourd'hui, je vous le promets, mais de Davy le Vagabond. Vous l'avez vu dans le titre. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le personnage, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais d'abord, une réflexion que je me suis faite pendant mes recherches, parce que oui, j'ai fait un véritable travail d'enquêteur, c'était très long. Quand on cherche à être connu sur les réseaux, sur n'importe quelle plateforme, il ne faut pas s'étonner que par la suite, on finisse par sans arrêt vous rappeler de ce qui vous a fait vous connaître, un peu comme cette fameuse personne qui a twerké dans une église. Car nous possédons tous au final une certaine longueur d'onde dans nos actions par rapport à notre être, et c'est d'autant plus flagrant avec les gens qui, dirons-nous, ont des capacités cognitives amoindries, qui sont moins forts dans l'aspect psychologique et qui, du coup, masque ou camoufle moins bien leurs méfaits. Mais revenons à notre pirate. Sa présence sur les réseaux sociaux remonte aux alentours de l'année 2019. En attendant, ceux qui ont déjà versé, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà tous enregistrés. Je voulais vous dire aussi que les promesses de dons, ça reste des promesses. On n'enregistre personne tant qu'on n'a pas reçu le paiement. Il se fait communément appeler Davy le Vagabond, même si le nom de Davy Saorin ressort sur quelques-unes de ses cagnottes ou encore sur une association qu'il a créée. Il est connu pour partager toute sa vie sur les réseaux, genre vraiment toute sa vie, en voulant apporter un peu de déconnade et de blague dans ce monde de brutes, comme il aime à le dire. Avant tout, TikToker, avec plusieurs comptes TikTok à son actif, dont son compte principal qui compte aujourd'hui 112 000 abonnés, ou un autre de ses comptes secondaires qui compte 50 700 abonnés à l'heure actuelle. Il est présent aussi sur Instagram avec 16 100 abonnés, et aussi sur YouTube, mais là il a posté que quelques vidéos parce que je crois qu'il a très vite abandonné le projet. Et là il a que 1023 abonnés. Que 1023, aka la meuf qui a que 4 300 abonnés. On peut constater qu'il compte énormément de drama à son actif, mais nous on va se concentrer que sur une certaine part de ces dramas, puisqu'elles concernent des choses qui pour moi, notamment avec d'anciennes conquêtes, qui, une fois qu'elle n'était plus avec lui, parlaient toutes plus ou moins des mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il n'était pas honnête avec sa communauté, d'anciens amis devenus détracteurs, mais surtout, et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, avec ses nombreuses cagnottes, mais vraiment très nombreuses, mais aussi ses live matchs et ses classements sur fonds d'œuvres caritatives, que ce soit pour la cause d'une infirmière, que ce soit pour ouvrir un refuge pour animaux sauvages, que ce soit pour construire un éco-village, ou pour encore récemment, ne pas perdre son terrain et ne pas se retrouver à la rue. Tu fais des actions soi-disant humanitaires et tout ça, mais tu donnes pas un euro, frère. Tu demandes aux gens qui sont là, tu leur dis, voilà, aujourd'hui je suis avec Soso et de soignante, on est à Marseille, voilà, n'hésitez pas à envoyer les cadeaux et tout, après je retirerai, je leur donnerai, mais tu as donné que dalle en fait, tu as rien donné. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais le mendiant et tu l'as pleuré en fait. Il dit vraiment tout et son contraire, entre manipulation, apitoiement sur son sort, en passant par la décrédibilisation des
personne qui, sur ses comptes, relève quelques-uns de ses paradoxes ou la non-cohérence dans ses dires et ses actions, on tient un sacré morceau en termes de mauvaise foi, les amis. Mais peut-être, au final, ne sommes-nous que des rageux ou des envieux pour voir ce qu'il y a de problématique dans sa manière de faire et sa manière d'être sur les réseaux. Petit message à David Vagabond. Merci de ne pas envoyer ta communauté sur moi pour m'envoyer moult commentaires désobligeants, parce que j'ai un petit peu la flemme de répondre à tout ça avec de vrais arguments. Ah oui, vous savez pas la nouvelle aussi, il a dit comme quoi qu'il me faisait une réputation de merde pour ma pension et tout, qu'il va l'afficher avec l'adresse, je sais pas quoi, blablabla. Et s'il te plaît, laisse pas des avis négatifs sur moi sur Google. En fait, si, parce que du coup, j'ai pas d'entreprise, donc j'ai pas de page Google, donc... Et puis expliquer aux gens que, bah, t'imagines bien, quand je dénonce ces conneries-là de jeux de rose à de feignants, bah, je me retrouve avec 400 ou 500 avis Google depuis 2 ans, les gars, je dénonce ces gars-là. Donc, si tu veux, ils essayent de nuire comme ils peuvent, donc moi, j'essaie de montrer mon travail un maximum. Il y a une différence entre parler mal à propos de quelqu'un et dire la vérité à propos d'une mauvaise personne. Et donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas qui est ce personnage, c'est là où je vais vous le présenter un peu plus que juste son pédigré sur les réseaux. Donc Davy le Vagabond, je dirais qu'il a entre 35 et 40 ans, d'origine marseillaise, il fait partie de ces gens que l'on dit marginaux, ces gens qui sont à la marge de la société. Il a fait bâtir une yourte en Ariège, en plein milieu de la campagne, sur un terrain qu'il a aménagé depuis, où il a aussi installé une caravane pour en faire un lieu d'habitation insolite, un lieu type Airbnb que tu peux louer. En est-il le propriétaire ou non? Nous allons revenir sur ça parce que c'est assez problématique. Il possède plusieurs animaux, une chienne prénommée Hermione, des chats, des chèvres, deux poules, Chicken et Nuggets, et un coq Tenders. Ayant fait des bêtises quand il était plus jeune, il ne se cache pas d'avoir eu des déboires avec la justice. D'ailleurs, il en a aussi récemment à cause d'une de ses cagnottes. Il ouvre ton village, il est où? Mon village? Pour être enquêteur de gendarmerie? Ton village autonome. Mais t'es enquêteur de gendarmerie? T'as oui, parce que, Il y a la gendarmerie qu'on fait 3 ans d'enquête. Et ils sont où les sous? J'ai volé des gens, mais les gendarmes et le juge ont dit que j'ai pas volé. Et les sous, ils sont où? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais aussi, consommateur plus ou moins avéré de drogue plus ou moins douce, il est actuellement sans emploi depuis un moment et fait des allers-retours entre l'Ariège et Paris pour aller voir sa copine Anna, que vous allez retrouver dans quelques-uns des extraits, donc d'où le fait que je la cite, qui est elle aussi donc très présente sur TikTok, même si elle n'a pas autant de notoriété que des villes vagabonds. C'est vrai que c'est assez exhaustif comme présentation, mais je trouve que ça plante quand même le décor pour ceux qui ne s'intéresseraient pas forcément à ce personnage ou qui ne l'aient pas croisé dans leur pour toi, parce que moi, il était tout le temps dans mes pour toi. On dirait que je l'ai même stalké de ouf, alors qu'au final, non, c'est juste que sa vie est legit entièrement sur TikTok. Enfin, ce qu'il veut bien partager avec nous, un peu comme la Sandy Family. Et vous verrez que la plupart de ces éléments que je vous ai donnés auront une importance par la suite. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est agenbé, toute cette histoire-là, sur 100 personnes qui témoignent, peut-être 2-3 sont déçus par rapport à village et tout, par rapport à des refuges qu'il a duré un jour. Mais là, vous allez vraiment, vraiment trop loin et continuez, nous, ça ne nous fait rien du tout. Qu'est-ce qui fait que, pour moi, le comportement de Davy le Vagabond sur les réseaux sociaux est méga problématique? Bien sûr que je suis consciente qu'il n'est pas le seul. Pour moi, cette personne est le symptôme de ce que sont devenus les réseaux sociaux, autrement dit une manne d'argent, où on considère ceux qui font partie de ta communauté comme ton porte-monnaie, comme ta source de revenus passive, comme tes généreux donateurs qui ne servent que la cause de tes beaux yeux, comme un gain à la loterie truquée, ou comme des mendiants 2.0. Mais revenons à la loi, parce que c'est très important de bien définir les termes sur qu'est-ce qui fait qu'on mendie ou non. Un mendiant au Japon est une personne qui fait appel à la sympathie d'une personne et lui demande de l'argent ou les biens nécessaires pour elle même ou pour sa famille à charge, en offrant une contrepartie gratuite ou presque gratuite. Il s'agit aussi d'un acte répété et continu. Mais est-ce que ça ne vous dit rien? Une personne qui demande de l'argent en échange d'une contrepartie gratuite ou presque gratuite? La première cagnotte qu'il a fait connaître, parce qu'on va revenir aux origines du problème, ce qu'il a fait sortir de l'anonymat, où j'ai nommé le projet du village Davy le Vagabond. Donc mon village autosuffisant. Donc mon village il coûte 1 million d'euros, et c'est véridique, hein. Donc imaginez, je sélectionne 20 000 futurs habitants du village. Je crée une cagnotte. Chacun met 50 euros, on peut acheter le village.
Dans ce village, il y a 50 maisons déjà construites, on va dire pour les anciens. Et après, des hectares de bois, des hectares de terrain. Enfin, assez de place pour loger 20 000 personnes. Du coup, chacun pourrait faire son tipi, son mobilhome, sa yourte, sa maison s'il en a envie, vivre à l'année ou pour les vacances. Enfin, seulement avec 50 euros par personne. Si on était solidaire un peu plus, on pourrait faire des grandes choses. Et mon ami, je me permets, puisque c'est comme ça que tu aimes à appeler les gens qui te regardent sur les réseaux, tu as décidé de te faire connaître avec ce projet. C'est normal qu'on revienne un petit peu dessus, sachant que c'était déjà méga problématique à l'époque. Que veux-tu, c'est comme ça, c'est comme avec les chanteurs qui ont sorti une fois un tube et qui même 20 ans après, on ne les invite plus que sur les télés pour rechanter ce tube alors que depuis ils ont sorti plein d'albums. Donc le projet du village autonome du vagabond a été lancé aux alentours de 2020, donc en plein dans les confinements, dans le Covid, tout ça. Le village, ou plutôt ce que l'on devrait en réalité appeler le hameau de la cagnotte du David le vagabond, se situe dans le Tarn. Donc spoil, il a créé une association de loi 1901 pour acquérir ce village, ou pour plutôt faire une cagnotte. Donc en octobre 2020, on peut estimer qu'il a récolté entre 10 000 et 15 000 euros. Et à ce qui paraît, les personnes en charge de la cagnotte sont parties avec l'argent. Bah tiens, comme c'est bizarre, ça vous rappellerait pas quelqu'un par hasard ? Tout commence en 2020. Dylan Thierry s'envole pour le Sénégal avec l'association française Spills. Il récolte de la moulaga, mais cet argent, bah, on sait pas combien il y avait. Ni ce qui en a été fait. Dylan accuse le fondateur de l'asso d'avoir été malhonnête avec l'argent récolté et dit avoir fermé les yeux sur ses pratiques. Sur l'annonce, il était dit notamment qu'il n'y avait déjà que quelques bâtisses sur d'une surface habitable totale de 550 mètres carrés sur 130 hectares de terre. Et selon les dires du vagabond, pour acquérir ce village, il aurait fallu débourser la modique somme d'1 million d'euros. Quand il a lancé le projet, c'était assez flou, on nageait un peu dans le Jean-Michel à peu près. On ne pouvait avoir accès à aucun plan d'action, aucune budgétisation, aucun schéma, aucune visée sur l'avenir, aucun déroulé de ce qui pourrait se passer si jamais cette cagnotte était atteinte. Rien du tout, aucun écrit, rien, aucun schéma, le néant. Par contre, là où il était fort, c'est sur les captures d'écran, sur son réseau social alors lié à cette cagnotte, qui était donc une page Instagram. Et là, comme vous pourrez le voir sur une de ces captures d'écran, toujours visible sur la page Instagram du projet, pour 50 euros, vous aviez le droit à une parcelle de 200 mètres carrés dans ce hameau. Ou encore, vous pourriez voir aussi que les charges s'élevaient à 100 euros maximum par mois. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du projet, concrètement, en lui-même, on n'a accès à aucune information. Par contre, t'inquiète pas qu'il a bien budgétisé la manière dont toi, tu pouvais lui donner de l'argent pour faire quelque chose. Quoi, on ne sait pas vraiment. Il comptait en tout à ce qu'environ 2000 personnes rejoignent le projet. Déjà à ce stade, rien qu'avec les chiffres, je suis assez perplexe. Il y a mon chat qui est en train de manger en même temps. Premièrement, à titre de comparaison, le plus gros éco-village, le plus gros éco-hameau, donc le même type de projet que ce qu'il voulait mettre en place, se situe en France. Il s'appelle l'éco-hameau du Plessis et il se trouve à Pongouin en Eure-et-Loire. Et il ne compte en tout que 28 foyers. De plus aussi, j'ai un peu de mal avec le chiffre des 1 million annoncé, parce que juste après une rapide recherche du coût des terrains sur place, quand on ramène à 200 mètres carrés, en prenant la terre au mètre carré la moins chère, on arrive à un total de 2900 euros les 200 mètres carrés, donc ce qui ferait, si on le multipliait par le nombre d'hectares de terre que compte l'annonce de David le Vagabond, on serait plutôt dans les 20 millions, un petit peu moins. Et encore, j'ai compté que des terres nues, donc pas de surface habitable. Donc bon. Déjà que rien que la différence entre les tarifs, ou plutôt le tarif total du village qu'il annonce et ce qu'on pourrait réellement retrouver dans la réalité n'est pas en adéquation, donc on peut quand même s'interroger un peu sur la véracité des 1 million annoncés, pourquoi une telle somme et s'il a réellement l'intention d'acheter ce village. Même s'il précisera dans quelques posts plus tard que bon, si on n'arrive pas au 1 million, c'est pas grave, on achètera autre chose, mais en fait non, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. C'est quand tu as un projet, c'est pas que tu annonces que tu veux acheter cet éco-hameau, parce que c'était vraiment annoncé comme tel, c'est-à-dire qu'il y avait la photo, il y avait la projection par rapport à ce village, par rapport à la cagnotte et tout ça, et puis en fait si on n'y atteint pas, bah, tant pis en fait, bah non c'est pas ça en fait, c'est dans ce cas-là il aurait fallu réfléchir autrement. Il fallait le voir. Et à chaque fois que j'ai vu un écolieu où la vision n'était pas assez claire, ça quand même souvent, dès les premières années en fait ça marche pas. Les sentiments que ouais, c'est important d'avoir une certaine précision et du coup c'est pas forcément que la vision, c'est aussi le comment.
C'est aussi comment est-ce qu'on fait les choses. Et là aussi, mon côté cartésien s'est assez réveillé, a été assez titillé. Car par développer vraiment l'aspect combien va coûter, combien tu vas pouvoir lui donner, ben le reste... Le reste repose clairement sur du vent, c'est-à-dire que je vais vous lire quelques-uns en fait des commentaires qui lui ont été adressés dans ses posts, et en fait il n'y répond pas, et c'est des questions très intéressantes parce que c'est le genre de questions qu'on peut se poser quand on fait un tel projet. J'ai compris le principe et le concept, mais arrête de faire le sourd et regarde le nombre de questions que les gens se posent. Tu nous dis venir sur Insta pour avoir des réponses. Et voilà, tu nous sors le même truc. On veut savoir le statut de ce projet immobilier, si c'est un proportionnel au don fait, est-ce que ce sera une association qui sera prioritaire, si oui, faut-il adhérer, est-il créé, savoir comment ce sera structuré. Si tu trouves que c'est négatif et défaitiste d'organiser un projet, je comprends pas. Je dis c'est pour toi et dans l'intérêt du projet commun. C'est des questions de base et non pointilleuses. Tu gagnerais en visibilité et crédibilité et aurais l'adhésion de gens vraiment intéressés avec un projet structuré. Après, c'est libre à toi. Je ne suis pas le seul à me poser des questions et la réponse qui tend à dire que 50 euros est à une place n'est pas suffisante. David, là j'ai vraiment cru que tu me faisais une blague, mais non au final. Normalement, quand t'as eu l'idée d'un projet juste samedi dernier, lance pas déjà une cagnotte mon ami. Sauf si le but c'est d'avoir de l'argent... En faisant rêver. Oui, parce qu'un projet de la sorte, c'est un peu le projet d'une vie. C'est quelque chose qui se travaille pendant des années au fil d'une longue réflexion avec soi-même, avec d'autres, en se renseignant, en allant à des colloques, en allant à des conférences, même en ayant accès à de la documentation sur YouTube, puisqu'il y a de très bonnes chaînes qui développent des centaines de projets sur les éco-villages, les éco-hameaux, les techniques pour être autonome, comment est-ce qu'on peut être autonome, même si l'autonomie peut être mise en question, puisque c'est assez compliqué de viser l'autonomie globale. Mais, enfin bref, c'est possible en fait. De eco, de solidarity, de permaculture, de spiritual, just because it's a new trend to get more people to be exploited for free in their own land that they own. Je ne considère que ce n'est que du paraître. Une vitrine pour faire bonne image, alors que le but est tout autre. Non, parce que, soyons sérieux deux secondes. Quand tu vas sur la page Instagram, parce qu'encore une fois, il avait créé un Instagram pour cette première cagnotte. C'était l'Instagram qui était dédié en fait à ce projet. Donc quand tu vas sur cette fameuse page sur le village autonome du vagabond, c'est la foire d'empoigne. Il y a zéro chose concrète, zéro étude, zéro vraie information sur comment le projet va se structurer, quels sont les statuts, quelles sont les étapes clés, quelles sont les valeurs communes. Et ce que je trouve regrettable dans ce premier projet déjà, et ce qu'on va retrouver par la suite très régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, c'est qu'en fait, il joue pas mal sur la corde sensible en fait, des gens par rapport à leur vie, et donc de les faire rêver par rapport à la vie qu'ils voudraient peut-être changer et qu'ils n'osent pas forcément parce que c'est assez compliqué de changer de vie au final. Parce qu'en plus à ce moment-là c'était la pandémie en France, il y avait pas mal de gens qui voulaient aller vers plus de naturalité, plus un mode de vie sain entre guillemets, c'est-à-dire plus tourné vers soi, où on prend soin de soi, on prend le temps de bien manger, on prend le temps de s'occuper de l'extérieur, de cultiver, de faire ce genre de choses. Je pense que la majeure partie des gens qui lui ont donné, parce que là, vraiment, ça a très bien fonctionné pour quelqu'un de lambda qui donne même pas l'effort de mettre les formes et de faire un minimum de recherche. On parle d'une somme, encore c'est hypothétique, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'écrit ou de... J'ai vu des captures d'écran tournées de la cagnotte quand elle était à 6-7 000, mais je crois qu'il a dû en tirer entre 10 et 15 000, mais pareil, c'est une somme hypothétique. Et David a su, à ce moment précis, trouver les mots qui ont résonné chez ces personnes. En effet, parce que quand on fait de brèves recherches, on se rend compte que c'est très difficile de mener à bien un tel projet, le faire vivre et de le rendre pérenne dans le temps. Dans la majeure partie des cas, il s'agit de toutes petites communautés et de surcroît qui disparaissent très rapidement. À ce stade, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il a des rêves plus grands que sa pensée pratique. Peut-être, après tout, n'est-il qu'un doux rêveur rattrapé par le sens pratique, par les administrations françaises et le savoir habiter en France. Après tout, l'erreur est humaine, mais apparemment, il y en a qui y trouvent leur compte à nous tromper. Et c'est là où on va parler de la deuxième cagnotte. Oui, parce que bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, j'ai créé une nouvelle page, enfin une nouvelle page qui a déjà 15 000 abonnés, le refuge du vagabond. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu en quoi ça consistait.
Je vais réexpliquer s'il y a des gens qui n'ont pas vu la vidéo. Donc mon rêve depuis toujours, c'est de faire un refuge pour recueillir les animaux sauvages de préférence, après domestiques aussi, qui ont été blessés, soit abandonnés. Voilà, moi je pars du principe que les animaux, déjà j'aime beaucoup, vous le savez, et je pars du principe que les animaux, ils ont rien demandé en personne, et s'ils sont en détresse, c'est à 99% à cause de l'homme, que ce soit des abandons, les accidents, tout ça. Donc voilà, moi mon idée, mon rêve même, c'est de créer un refuge pour recueillir tout ce petit monde-là et m'en occuper tout simplement. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai créé une cagnotte, j'ai mis les liens sur mon profil pour que les rageux, ils ferment leur bouche. En vrai, j'en ai pas grand-chose à foutre, mais bon, c'est pour aussi être transparent avec mes abonnés et tous les participants. Toutes les semaines ou les 15 jours, je ferai un petit point de cagnotte pour vous dire, tiens, on a récolté tant. Et l'argent récolté, il va pas servir à m'acheter un terrain et mon lieu d'habitation. Donc ça, le terrain pour le refuge, mon lieu d'habitation et tout ça, bien évidemment, c'est moi qui vais l'acheter. Ça évitera de faire blablater les gens. Vous allez me dire qu'après le fiasco du village du vagabond, il allait disparaître des radars, se complaignant, se morfondant dans le fait qu'il n'avait pas pu mettre à bien ce projet, ou alors justement qu'il allait rebondir sur cet échec pour nous proposer un projet viable, quelque chose qu'il allait faire avec cet argent, quelque chose de amélioratif. Désolé de vous décevoir, non. Voilà qu'en mars 2022, il nous revient avec une nouvelle lubie. Celle de créer un refuge pour animaux sauvages nommé le refuge du vagabond. On ne change pas une formule qui gagne. Pour le coup, cette fois-ci, il avait créé une page TikTok pour ce projet. D'ailleurs, qui était encore visible il y a quelques jours, vraiment. Elle comptabilisait un peu moins de 15 000 followers. Et bien évidemment, il s'était empressé de créer une cagnotte pour ce fameux refuge. Et d'ailleurs, on peut toujours retrouver, alors je sais pas s'il a encore supprimé récemment, mais jusqu'à il y a 3 jours, vous pouviez encore trouver le lien de cette cagnotte dans la description de son deuxième ou troisième compte secondaire, où il y avait encore le lien PayPal avec, en gros, où il faisait la promotion de ce refuge. Il nous présente ce projet parce que selon lui, il a toujours rêvé de créer un refuge pour les animaux sauvages. Mec, je te jure, il veut sauver la terre entière, hein. Demain, il va nous dire qu'il va recréer l'Arche de Noé dans la mare qu'il a construite dans le terrain qui accueille sa yourte. Mais pour le coup, pour ce projet, il a été beaucoup moins dans la finesse que pour le premier. Et les problèmes de trésorerie sont très très vite apparus. Donc j'imagine que comme précédemment, il s'était organisé sous association loi 1901, j'imagine qu'il a dû réutiliser la première parce que je n'ai pas trouvé la preuve de l'existence d'une autre association. Et les audios qui ont fuité, je ne peux pas vous affirmer qu'ils sont réels, hein, parce qu'après tout, nous vivons dans un drôle de monde, mais il semblerait que ce soit la trésorière qui parle avec un autre adhérent qui s'occupe aussi de l'association, et qu'ils parlent entre eux d'une somme qui aurait disparu. Le moment parce qu'il est en vacances, ou est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a effacé parce qu'il lui a donné 500 balles et qu'il voulait se les garder pour lui en vacances, et qu'il voulait pas nous le dire parce que voilà, il a honte ou quoi. Imagine-toi, si le mec il a fait un don de 5000 euros pour la sauce, et que ce pognon-là, c'est les 5000 euros dont il nous a parlé. J'extrapole, mais est-ce que ça peut pas être ça? C'est la première fois qu'il y a un mail qui disparaît, hein, parce que moi j'y vais tous les jours. T'extrapoles, mais au final, ça se rejoint en fait. Ça se rejoint. Dans ma tête, ça se rejoint. Juste pour le souligner, s'il existe des diplômes à obtenir, ou qu'on l'on peut obtenir pour s'occuper d'animaux sauvages, ou pour avoir un refuge, et ce n'est pas obligatoire de les avoir. Cependant, il est écrit sur le ministère de l'écologie, des énergies et territoires que l'exploitant d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire d'un certificat de capacité prévu à l'article L.413-2 du Code de l'environnement. Dans tous les cas, ce qui tombe sous le sens, un peu comme son histoire d'éco-village, c'est que c'est pas quelque chose qui s'invente du jour au lendemain, surtout quand il s'agit d'animaux et encore pire, d'animaux sauvages. Il faut vraiment avoir une connaissance accrue et pointue de la faune sauvage, ce qu'il ne semble absolument pas avoir comme connaissance, hein. Enfin, j'imagine mal quelqu'un qui ne s'y connaît ni d'Adam ni d'Ève dire mais si j'ouvrais un refuge, mais tiens, bah oui, je sais vraiment comment s'occuper d'un marcassin qu'il faut allaiter. En mon sens, c'est pas quelque chose qui peut ni s'improviser, ni se créer comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il a poussé le vice jusqu'à son paroxysme, puisqu'en fait, pour ce projet,
en parallèle de la cagnotte PayPal qu'il avait créée, puisque cette fois-ci c'était un PayPal. Il avait aussi fait toute une série de live match qui étaient dédiés, enfin les fonds devaient être dédiés uniquement à la réalisation de ce projet. Comme vous pourrez vous en douter, encore une fois, il a récolté une sacrée somme d'argent. Là, pareil, on parle toujours, c'est une fourchette de plus ou moins 10 000 euros entre les live match et les gens qui ont versé dans la cagnotte, dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Bien sûr, il a jamais monté un tel projet, ni même il aurait donné une partie de l'argent à des associations pour les animaux, justement. Seul fait notable, il a adopté deux petites chèvres à cette époque. Du contenu, moi j'aime bien les vidéos du vagabond, quand il est là, il nous montre ses chèvres, ou j'en sais rien, tu vois. Mais il a pas de chèvres, il n'a rien, c'est un menteur. Bah si, on les voit sur les vidéos. Mais quelles chèvres? C'est des chèvres sauvages. Ou je sais pas. Les chèvres, c'est deux chèvres parce qu'il a pris 18 000 euros de cagnotte pour le refuge animaux des vagabonds. Bah, il a montré deux chèvres. 18 000 euros, 9 000 euros la chèvre, tes conneries. Et juste pour remettre un peu de contexte sur la personne qui vient de prendre la parole, c'est le Lingoteur, donc il est présent sur TikTok. Il a une communauté d'environ 350 000 abonnés. Et le Lingoteur aurait été ami avec Devil Vagabond au début de sa chaîne TikTok, mais il s'en est très vite désolidarisé par la suite, parce que même s'il l'a rencontré dans la réalité, par rapport à son comportement vis-à-vis de toutes ses cagnottes et aussi de ses live matchs, n'approuvant pas les magouilles et les petites choses qu'il faisait. D'ailleurs, ça ne vous rappelle encore pas quelqu'un ? Il dit que quand une association est dissoute et qu'elle fait plus de 153 000 euros, il doit y avoir un bilan obligatoire. Mm-hmm. Ok. Est-ce qu'il est en cours ? S'il y a un bilan, c'est la vice-présidente qui s'en occupe. La vice-présidente a porté plainte contre toi, mm-hmm. avec la trésorière. Ouais, mais... Contre X, plainte dans laquelle tu es visé pour abus de confiance. Bien sûr. C'est la vice-présidente qui a ouvert l'association. C'est la vice-présidente qui a fermé l'association. C'est ton association hein, pour nos enfants. Ouais, c'est elle qui l'a ouverte. Je t'ai dit que j'étais pas paperasse et je le suis vraiment pas. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à parler du dernier drama en cours. Donc là, c'est vraiment la toute dernière cagnotte qu'il a créée. Et là, ça date de ce mois-ci, donc du mois de septembre, début septembre. Et là, il a créé une cagnotte sur Litchi. Ah, il a essayé tous les types de manières d'avoir de l'argent. Et cette cagnotte Litchi s'appelait, et je lis le nom, « Je ne veux pas perdre mon habitation ». Solidarité pour un ancien vagabond. Pour une fois au moins, on tourne pas autour du pot, ça, on peut pas lui reprocher pour une fois. Finalement, il a peut-être appris de ses erreurs, notre vagabond. Et donc, si cette cagnotte fait un drama, outre le fait qu'elle joue clairement sur la corde sensible que sans nous, en fait, il se retrouve à la rue, c'est qu'elle le met en fait face à plusieurs contradictions, voire mensonges dans le jargon technique. Il a pas eu 16 000, c'est pas vrai. Anna, il roulait tous les jours en Mercedes cet été, il montrait pas à ses abonnés, on le voyait chez toi. Ok. Non, c'était BM, c'était pas Mercedes. Ah, vous êtes en BM, d'accord. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, vous l'avez dit. Il aurait voulu payer son terrain, il l'aurait payé, tu vois, pas lui. Non, c'est pas, pas non, ses abonnés. Mais nous, il a pas nous eu, on le voyait. Sais, on voyait dans quoi il voulait. On voyait les vacances qu'il a passées. Il avait des sous, il les a tous. Mais pas 16 000! Mais pas 16 000! Pas 16 000! En tout cas, je sais que les 16 000, il les avait. Et il a avoué qu'il a éclaté l'argent aussi. Il a pas il a tout éclaté. Mais après, moi, ce que je veux, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il a eu le moyen, il a fait de l'argent, il a eu le moyen de ouvrir, créer un truc. Petit récapitulatif. David Vagabond dit vivre dans une yourte qui fait 50 mètres carrés sur un terrain dans l'Ariège dont il serait le propriétaire. Vous montrez maintenant l'emplacement où la caravane va être. Donc ça, c'est la vue qu'il y aura. Alors, je viens d'acheter le terrain il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas encore de plantes, voilà, j'attends le printemps, ça va être fleuri, ça va être bien plus joli, l'herbe. Il a déjà aménagé donc le terrain, puisqu'il y a creusé par exemple une mare, il y a aussi installé des serres, il y a aussi installé une caravane qu'il a aménagée, enfin etc. Et depuis le début, il nous a toujours dit qu'il était à la fois propriétaire de sa yourte, puisqu'il l'a achetée, de la caravane, puisqu'il l'a achetée, mais aussi du terrain. D'ailleurs, concernant la yourte, il avait déjà eu des dramas à l'époque, puisqu'en fait, il avait donc fait appel à un petit artisan qui fabriquait des yourtes de manière artisanale et qui était venu la poser sur son terrain avec David Vagabond et avec quelques autres membres de la famille de la personne qui avait fabriqué la yourte. Et à l'époque, il avait fait un espèce de... un SAV, je sais pas si on peut dire ça pour une yourte, mais qu'en gros, il voulait attaquer le mec en justice parce qu'il la considérait pas conforme et qu'il avait demandé un remboursement de 5000 euros sur 6000 euros qu'il avait obtenu parce que des bouts de bambou étaient fendus. Ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup de drama pour une seule personne, je trouve. Et quand il a commencé à parler de cagnotte pour l'achat de son terrain, parce qu'il nous a quand même
inventer une histoire ubuesque. Ubuesque. Je vous jure, parce que quand même, il nous a dit... Et oui, non, personne au courant. Et du coup, j'avais mis les sous de côté. Vous savez que j'arrive à gagner un petit peu de l'argent avec TikTok, donc c'est cool. Donc j'avais mis les sous de côté, les 16 000. Et arrivent les vacances d'été, tout ça. Et j'avais que ces sous de côté. Je me dis, bon, si j'ai envie de partir en vacances et tout, va falloir trouver une solution, parce que je ne peux pas me servir des sous du terrain. Donc j'ai demandé un prêt à plusieurs, comme les banques avec TikTok, c'est mort, j'ai pas de fiche de paye, c'est mort. Donc j'ai demandé à plusieurs connaissances, s'ils avaient moyen, de me prêter 16 000 boules. Et je remboursais tous les mois 2 ou 3 000 euros par mois, jusqu'à que la somme elle soit remboursée. Donc 2-3 noms, il y a une personne qui m'a dit oui. Donc une personne, pas un jeune, une personne de 60 ans presque, avec plusieurs entreprises, qui gagne extrêmement bien sa vie, qui me dit oui. Donc je me dis c'est cool, bon, je vais pouvoir me détendre un peu pour les vacances. Je vous la fais en simple, hein. Du coup je me détends pendant les vacances, je me détends bien, moi et la gestion du fric c'est pas trop mon délire, et du coup je commence à piocher dans les 16 000 en me disant bon c'est pas grave, moi le jour de la signature le mec il a dit qu'il me prêtait, donc ça va, un prêt quoi. Et là, deux jours avant la signature, j'ai rendez-vous le 8. D'abord, ça fait une semaine qu'il commence à m'inventer des petites histoires bizarres. Quand il a commencé à parler de la cagnotte pour l'achat de son terrain, il y a beaucoup de gens qui étaient interloqués, qui se sont dit « Mais tu nous avais toujours dit que t'étais propriétaire, what the fuck ?» D'ailleurs, il a fait beaucoup de vidéos où il disait que les gens lui inventaient une vie et qu'il n'avait absolument jamais dit ça. Par la suite, du coup, il a fait d'autres vidéos où il dit « Non, mais vous m'inventez une vie, j'ai jamais dit ça, blablabla, je sais très bien que je suis dans l'illégalité en ayant posé une yourte sur un terrain qui ne m'appartient pas. » Et je vous laisse l'extrait. Le terrain t'appartient déjà, d'accord ? Non, il m'appartient pas. Je te dis que non, il m'appartient pas, le propriétaire... Putain, mais les propriétaires, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, c'est fou quand même. Le propriétaire actuel du terrain m'a dit « Oui, permis de construire. » Tu ne peux pas avoir de permis de construire. J'ai pas eu de permis de construire. Si tu suivais un peu, j'ai été emmerdé par la mairie parce que justement, j'ai pas fait ça dans les règles et j'ai posé ma yourte sans demander de permis de construire. Tout à l'heure, c'est parce que tu disais. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question comment pour un permis de construire, tu m'as dit bien sûr qu'on peut. Tout à l'heure, t'as pas dit ça. Bien sûr qu'on peut le faire. Après, je suis pas dans la légalité. On peut pas. Personne ne peut te délivrer un permis de construire tant que t'as pas le terrain à ton nom. C'est impossible. Tu peux pas. Moi, bien sûr. Mais j'ai quand même posé ma yourte. Je suis dans l'illégalité, mais j'ai posé ma yourte. Je sais pas vous, mais moi perso, je serais dans ce type de situation, à savoir que j'ai posé ma yourte sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ferai profit de bas, je le créerai pas sur tous les toits en fait. Et du coup, on sait plus vraiment qui croire parce que un coup il nous dit qu'il est propriétaire, donc ce qui semble vrai puisque il se met à aménager un terrain qui ne lui appartient pas, ce qui avait bien quand même derrière une volonté de l'acheter. Et d'un autre côté, il dit non, j'ai jamais été propriétaire, je vais me faire expulser. Donc par la suite, il y a beaucoup de gens du coup qui ont relevé ces incohérences une fois de plus et qui lui sont tombés pas mal dessus en fait dans ses commentaires ou durant ses lives. Comportement que je ne cautionne pas, mais après au bout d'un moment. Si tu donnes le bâton pour te faire battre, hein. D'un côté aussi, si tous les gens lui sont tombés dessus, c'est aussi, je pense, notamment, à cause de son comportement, en fait, dans ses vidéos durant tout l'été. Parce qu'en fait, et là on va devoir revenir encore dans le contexte, parce que tous les éléments que je vous ai donnés au début, en fait, allaient servir à un moment donné ou à un autre. Donc en fait, cet homme était célibataire pendant un long moment, et ça fait 4 mois qu'il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Anna. Une femme avec 2 enfants à charge. Donc 2 enfants à charge qui n'ont plus de père. Et en fait, il se trouve qu'il y a environ 2 mois, ils se sont séparés après donc quelques mois de relation, mais vraiment très court. Et les conversations entre les deux étaient très salées parce qu'ils ont tout mis sur les réseaux. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est une mise en scène, c'est-à-dire que en fait, il n'y a jamais eu de rupture, et si vous voulez, en fait, ils ont juste buzzé là-dessus pour redonner un peu d'élan aux chaînes TikTok de David Vagabond, parce qu'il se fait pas mal de fric grâce à ça. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que les paroles étaient très 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 salées, c'est-à-dire que les vidéos ont été supprimées depuis, donc ce qui me fait penser que d'un côté, il y avait quand même une part de réalité. David Vagabond a reproché notamment à cette jeune Anna d'en fait de lui avoir fait dépenser 8000 euros en 2 mois, c'est-à-dire entre les vacances, les sorties, ses fossiles, ses faux ongles, son coiffeur, son bronzage, tout ça, tout ça. Non, 8000 c'est ce que j'ai dépensé en 2 mois à cause d'elle. Bon, je l'ai bien voulu aussi. Et je sais, j'aime trop la thune, oh la thune. Et le paraître. Oh, regardez-moi, je suis musulmane, je suis converti, mais j'ai les bzeuses à l'air. Regardez-moi, ouh, je suis musulmane et j'avorte.
Quel exemple ! Quel exemple ! Et il insistait encore et encore sur la somme de 8000 euros qu'il avait dépensée à cause d'elle. Et donc, qu'en gros, c'était un peu une profiteuse parce qu'il lui avait aussi donné de l'argent pour finir son mois parce que, comme c'est une mère célibataire qui n'a pas de travail elle non plus, j'imagine qu'en fait, elle avait beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Et bref, il lui avait donné de l'argent de bon cœur, mais quand même, il insistait sur ces sommes. Voilà, après vous dites, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais il expose, donc je suis bien obligée de vous le dire, parce que c'est notamment ces éléments-là qui ont fait aussi que, d'un autre côté, les gens se sont dit, ouais, mais enfin, parce que là, vous allez voir aussi la suite. C'est-à-dire qu'en fait, donc ils se sont chamaillés, mais vivement, parce qu'ils ont fait plein de live match où ils se disputaient en live pour donner leurs arguments de pourquoi ils s'étaient séparés, pour au final se rabibocher même pas 10 jours ou même pas une semaine après donc ces fights par écran interposé. Et là, en fait, ce qui a d'autant plus énervé les gens, c'est qu'il a documenté parfaitement sa vie en étant en vacances avec cette jeune femme. Donc, pas forcément dans des spas, dans des hôtels luxueux, mais il était parti quand même dans un village vacances, donc en camping. Et en fait, il a beaucoup profité, quoi. Il a beaucoup, beaucoup dépensé. C'est-à-dire qu'il sait qu'il allait faire du jet ski, des choses comme ça. Enfin, tout le monde. Ça y est les amis, on est bien arrivé au camping, franchement c'est le top. Je sais pas combien il y a d'étoiles dans le camping, mais franchement top. Hein. Grande terre de jeu pour les enfants, on est à 200 mètres de la mer. Des glaces, des bars tout le long de la mer, des magasins, des locations de trottinettes. Jet ski, demain je vais prendre une heure ou deux de jet ski. 3 piscines dans le camping, 2 restaurants, enfin, c'est vraiment un truc monstrueux ce camping. Et c'est cool parce que ça reste un camping familial. Donc voilà, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Hollandais, c'est cool. Ça me fait travailler un peu les langues, moi qui parle à tout le monde. Au bout d'un moment, quand t'as pas d'argent, que t'as un terrain à 16000 euros à te payer, tu dépenses pas tout ton fric dans des vacances. Enfin, je sais pas, mais... Mais moi, je suis énervée alors que c'est pas ma vie, je m'en fous. Moi, je suis pas à découvert, j'ai jamais été à découvert, je vais très bien, j'ai pas de dettes. Faut pas que je m'emporte comme ça, on dirait que c'est ma vie. Mais c'est pas ma vie, moi, je m'en fous. Moi, ma vie, elle est très clean. Et donc c'est justement le fait qu'il soit parti en vacances, donc après qu'il ait dépensé autant, qu'il soit assez problématique pour les gens, encore une fois, hein, pour les gens qui lui ont reproché pas mal de choses sur ses réseaux. Parce qu'il a vraiment montré qu'il a flambé et il ne s'en cache pas, puisque même dans sa cagnotte, là je vous lis le truc de la cagnotte. Forcément dans cette période d'inflation où les gens, ils ont du mal à manger à partir du 5 du mois, bah pour eux, c'est pas tolérable de voir un mec comme ça qui est censé avoir mis une somme de côté pour acheter quelque chose qui est nécessaire, qui faisait partie d'une certaine optique de vie, d'un plan de vie, qui dépense tout cet argent juste pour aller en vacances. Et personnellement, c'est vrai que ça me laisse assez perplexe de me dire que le mec a réussi à mettre 16000 euros de côté pour au final tout dépenser, même pas 2 à 3 mois avant de signer le compromis de vente et donc d'être officiellement propriétaire de ce terrain. Apparemment, on n'a pas tous le même sens des priorités. Enfin, à moins qu'il n'en soit déjà propriétaire, ou à moins qu'il avait déjà d'autres projets en tête, auquel cas, on est sur un niveau bien corsé de manipulation. D'un côté, il a fait une vidéo où il dit que miraculeusement, il a trouvé une solution pour ce terrain. On garde pas le terrain, nous. Bon, tout à l'heure en live, j'ai dit que je devais me sauver à la fin du mois. Mais finalement, on vient d'apprendre une bonne nouvelle, les amis. Donc ben voilà, c'est cool, c'est réglé, le terrain, je le garde, je vais pas en dire plus, mille merci à tout le monde, parce que beaucoup de monde ont participé, que ce soit à la cagnotte, ça c'est pas beaucoup, mais beaucoup de monde ont participé à chercher des solutions, donc déjà ça, rien que pour ça, merci, ça fait chaud au cœur. Mais d'un autre côté, des personnes sur TikTok ont trouvé son annonce sur Le Bon Coin, où il vend sa yourte de 50 mètres carrés, update. Au moment où j'écrivais la conclusion de cette vidéo qui aurait pu être encore beaucoup plus longue, mais on va pas parler de tous les dramas qui l'entourent parce que je peux vous assurer que j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de problèmes avec la terre entière de TikTok sur TikTok. Davy le vagabond a sorti une vidéo où oui, il avoue que oui, il va bien vendre sa yourte, car suite au fait qu'il ait rencontré sa future femme, puisqu'ils ne sont pas encore mariés, il ne veut plus faire ses habitations insolites et vivre seul au milieu des bois. Pour les rageux, c'est pas un scoop, hein, je mets ma yourte à vendre. Et pour mes abonnés chéris, je vous explique un peu ceux qui sont pas au courant. Donc, j'avais un projet de faire des hébergements insolites et de vivre au milieu des bois, dans la nature, en autosuffisant, seul comme un sauvage. Heureusement, j'ai rencontré ma petite femme. Ici. Quand tu es seul, tu as des projets. Quand tu rencontres ta femme,
tu as d'autres projets. Donc, les projets que j'avais en solitaire, je les mets de côté et je passe à d'autres projets qui sont en train de se réaliser. D'ailleurs, dans quelques semaines, les rageux, vous allez tomber la bouche comme ça et dire « Putain, mais c'est pas possible, il retombe toujours sur ses pattes, ce vagabond. » Et toujours de mieux en mieux. Et c'est ce qu'on appelle évoluer. Donc oui, je mets ma yourte en vente, la caravane et 2-3 merdouilles. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et les amis, dites-moi, quoi de plus normal que quand tu rencontres ton âme sœur, ta moitié, la femme de ta vie, on est fiancé maintenant, quoi de plus normal que d'arrêter un projet en solitaire? Si le projet de vivre au milieu des bois, ça aurait plu à Anna, j'aurais continué. Mais vous voyez Anna vivre au milieu des bois avec un sauvage comme moi? Non. Non mais à un moment, il faut arrêter de manipuler les gens et de faire passer des vessies pour des lanternes. Bien sûr que les gens changent. Bien sûr que les gens ont le droit d'évoluer dans leurs goûts, dans leurs envies vis-à-vis de leur vie. Mais il est quand même étrange d'être attiré par quelqu'un qui soit aux antipodes de nos valeurs, quelqu'un qui soit aux antipodes de ce que l'on veut mettre en place dans la vie, surtout quand on a presque 40 ans, parce que je pense que quand on a 40 ans, normalement, on se connaît, on sait ce qu'on veut et on sait ce qui va nous rendre heureux. Donc c'est assez bizarre de changer complètement de projet de vie, complètement de ce qu'on veut faire dans la vie, à moins que les motivations de départ n'aient pas été véridiques et n'aient pas été cherchées plus que ça. Et à moins que les motivations n'aient été que de surface, surtout que concrètement, il a quand même fait une cagnotte qui s'appelle la cagnotte pour ne pas perdre son terrain, alors que depuis le début, il savait qu'il ne resterait pas sur ce terrain, qu'il n'avait aucune volonté d'y rester, et qu'il allait plutôt emménager en banlieue parisienne ou dans ses alentours avec sa nouvelle meuf. Alors on peut extrapoler, vous voyez, on peut émettre un jugement et se dire qu'au final, en fait, il aurait aimé acheter tout de même ce terrain, mais aux frais de la princesse, c'est-à-dire avec votre argent, ceux qui ont donné de l'argent à des villes vagabonds, et au final d'en être le propriétaire, mais d'un autre côté, habiter ailleurs, et donc du coup se servir de ce terrain comme d'une source de revenus passifs, en le louant comme des habitations insolites, comme ce qu'il a l'air de toujours avoir plus ou moins fait dans sa vie, c'est-à-dire acheter pour revendre. Mais là, pour le coup, il avait vraiment pas l'argent pour l'acheter, il s'est dit « Ouais, bon, bah, vaille que vaille, cassons-nous ». Il y a des gens qui sont nés avant le culot, je vous l'assure. Le problème quand on parle de des villes vagabonds, c'est que le mensonge, la manipulation sont des griefs qui reviennent très 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 souvent à son égard. Et surtout quand on tombe sur des gens qui parlent de lui. Alors après, je suis d'accord que les réseaux sociaux, c'est un monde de vipères et qu'il y a plein de gens qui aiment parler mal des autres juste sous prétexte que leur tête ne leur vient pas, qu'ils ont besoin de faire du buzz ou quoi ou qu'est-ce. C'est quand même bizarre que des gens lambda qui n'ont pas vraiment d'abonnés sur TikTok, qui sont monsieur et madame tout le monde, se mettent à parler de lui en des termes peu enchanteurs. Tu m'as banni, ok ? Moi, à l'époque, je t'ai donné de la force sur ton village, je t'ai envoyé 50 euros, j'ai pas eu de retour, ok ? Après, t'as fait une deuxième association. La deuxième association, c'était pourquoi ? Pour les animaux, soi-disant. Mais t'as eu beaucoup de problèmes dessus, puisque j'ai entendu pas mal de vidéos. T'es arrivé à 10 000 euros, t'as gratté 2 000 euros dessus, tu t'es fait « engueuler », entre guillemets, puisque t'as gratté 2 000 euros dessus. Arrête, Davy, Davy, arrête, t'es un gros mytho, mon pote. Ça... Et d'ailleurs, ils sont légion, les gens comme Davy le Vagabond, à transformer les réseaux sociaux en un lieu de profiteurs, enfin, en un repère de personnes avides. Et quoi qu'on en dise, ce sont toujours les personnes les plus faibles qui tombent dans le piège. Et attention, je ne dis pas par là, je ne dénonce pas les gens qui veulent vivre de TikTok ou des réseaux sociaux, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'il y a une manière de gagner de l'argent autre que d'apitoyer, de faire des fausses cagnottes pour des fausses choses que tu ne vas jamais mettre en place, parce que là, c'est juste du mensonge et de la manipulation. Ce n'est pas de la création, ce n'est pas du divertissement, c'est juste de la manipulation. C'est juste comme un gourou 2.0. Et je suis même certaine que ces gens se croient plus intelligents que les autres, et que si d'autres le font, pourquoi pas eux alors? Et c'est ça qui est triste. Ce côté à vouloir se servir de belles choses, de beaux projets qui sont très durs à mener dans la réalité, comme les écolieux, manipuler les gens avec sa capacité à pouvoir les faire rêver sur des sujets qu'ils maîtrisent mal ou pas du tout. Et pour moi, ça, c'est complètement immoral. Et puis j'en ai assez marre, à vrai dire aussi, de voir qu'il y a plein de gens qui essayent de se donner une belle image d'eux sur les réseaux sociaux, car quelque part, eux aussi ont envie d'y croire, mais que derrière, c'est absolument que du vent. Au final, ce ne sont que des pauvres gens qui essaient de s'en sortir tant bien que mal dans la vie et de vous faire croire que eux, bah en fait, ils sont mieux que vous. Alors que la plupart des choix qu'ils font, ce n'est pas par conviction profonde, ce n'est pas par, en fait, éveil sur la vie,
Mais juste que, en fait, ce sont les seuls choix qui se sont présentés à un moment donné dans leur vie et qu'ils ont fait ce choix parce que c'était ça ou rien. Un peu comme le fait d'habiter dans une yourte pour David le vagabond. Car je suis désolée, mais si David, demain, gagnait très 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 bien sa vie, qu'il était vraiment milliardaire, je peux vous assurer que sa yourte, ses projets d'éco, enfin éco-responsable et tout ça, il les oublierait bien vite pour juste habiter dans une maison avec sa meuf, avec toute la commodité du monde contemporain, la petite piscine qui va bien dans le jardin et le petit SUV. Parce qu'en fait, pour moi, ça reflète juste que la yourte, c'était juste... En fait, le dernier choix de quelqu'un qui se retrouve dans une situation financière indélicate et qui est incapable, parce qu'il n'a pas de fiche de salaire, parce qu'il n'a pas de travail stable, de pouvoir acheter. Et encore une fois, je ne tiens pas à dénigrer ça, parce que moi, actuellement, je suis sans emploi. Bon, j'ai des fiches de salaire, parce que ça fait pas si longtemps que ça, ça fait qu'un mois que je suis sans emploi. Mais moi non plus, je suis pas propriétaire et je m'en fiche, en fait. Mais je fais pas croire sur les réseaux sociaux que, ben, en fait, ouais, vivre dans une yourte, c'est ouf. Et un petit clin d'œil pour son dernier post, j'avais trop envie. Je lis « À ce qui paraît, tous les gens qui parlent de lui sont des gens entre 50 et 60 ans, seuls, avec une vie remplie d'ennuis, ou des vieilles filles de 30 ans, seuls et aigris. » Il insiste beaucoup sur le mot « seul », hein. « Pour les mecs, que des célibataires qui rêvent de vivre libres et heureux comme lui. » Mince alors, je suis une trentenaire, mais je suis absolument pas du tout célibataire et je suis en couple depuis bien longtemps que ta relation. Même si pour moi, être en couple ou non, ça ne me définit pas en tant qu'individu. Et je pense que la plupart des terriens qui me suivent savent que je ne rêve pas de liberté puisque je vis déjà la vie telle que j'ai envie de la vivre. Je suis même quelqu'un de plutôt structuré et de cultivé, même si comme tout être humain, j'ai mes failles. Et en ce moment, comme je suis au chômage et que les analyses de cas, c'est un petit peu mon plaisir coupable, décidé de mettre le temps que je possédais pour l'intérêt public. L'homme ne se juge pas à ses paroles, mais à ses actes. Et tu as la langue bien plus prolixe que tes actes ne brillent dans la réalité. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, car toi qui aimes à te faire appeler pirate, ayant même le pavillon noir chez toi, tu es aux antipodes de ce que devrait être réellement un pirate ou un homme libre dans cette société. En gros, tu ne corresponds pas du tout à la vision de la piraterie qu'a Luffy. Oui, bah c'est bon, tout le monde a regardé la série qui est sortie. En tout cas, je te souhaite quand même une bonne continuation et j'espère que tu redescendras sur Terre. Bisous !